suis arrivé ici en 1956. J'étais aidé un voisin ici de pas loin. Puis il m'a dit, ben prends-toi une application avec le gouvernement, tu auras une terre gratuite parce que tu es fils de cultivateur. Fait qu'à ce moment-là, ben j'ai fait une demande, c'est accepté. Fait que je me suis emmené ici avec ma femme puis un enfant. C'était dans le bois comme là, là. Jusqu'au coin là-bas, puis il y avait juste un chemin de terre comme ici. On avait trois maisons. Mais c'était pas des maisons, c'était des cabanes. Puis j'ai défriché, puis là j'ai semé des patates à grandeur. Puis là j'étais à contacteur faible entier en chauffage, puis inconditionné. Puis en 67, j'ai eu un accident d'auto. J'ai sorti de là, puis je dois travailler jamais. Fait que j'ai dit, faut pas que je reste à rien faire. J'ai pris 20 piastres sur le bien-être social, j'ai été acheter 20 autos pour 20 piastres à la ville de Montréal. Puis là j'ai commencé des autos depuis 1967. En 68, je me suis acheté un gros 10 roues. Là, je les ai emmenés 12 à la fois. J'en ai acheté 8000 de 67 à 74. Puis là, ben, le monde d'Expo, il m'en a passé avec des petits avions. Il voyait aller toutes ces autos-là. Fait qu'il disait, je vais prendre celle-là, 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 celle-là. Puis là, mais ça vient des États-Unis, ça vient d'Ontario, ça venait de partout. Fait que ça m'a donné un coup de pouce pour partir. Puis après, ben là, c'était parti. Hein, moi, c'est un morceau à l'autre. Puis ça va bien. Là, il m'en reste 2000. Mais j'en ai eu plus que 8000 parce que tous les voisins d'alentour des trois villes, ils venaient tous porter les choses ici, ici, gratuitement, pour s'en débarrasser. Parce que dans le temps, une auto, ça payait 3 piastres la tonne. Il fallait enlever les pneus de dessus puis mettre le feu dedans. Puis s'il était brûlé et il n'est pas brûlé comme il faut, il était autant une piastre la tonne pour la pièce qui était mal brûlée. Tout est serviable à quelque chose. Pour une parure, la preuve, c'est que si tu vois un toutou dehors en guenille des enfants, qui est tout décomposé, toute lettre à moitié, que tu peux même plus savoir c'est quoi, là, pour le photographe qui vient filmer ça, là, il en trouve une super grosse satisfaction. Fait qu'il n'y a pas rien de. Il n'y a pas rien que tu ne peux pas te débarrasser de dire ça, c'est plus bon, là. Tout à l'heure, le monsieur il est venu, il fait de la décoration. Fait qu'il a pris une boule d'en avant d'un vieux char des années 30. Il a repris un autre morceau pour le compléter avec la lumière dessus. Puis là, il m'a acheté un cap de roue des années 20 aussi, là, avec un petit bouchon rond. Là. Puis un ring gear qui est tout rouillé et fini, que tu ne pourras pas te servir sur ton char. Mais lui, une ring gear avec toutes les dents alentour, là, pour lui, c'est une trouvaille extraordinaire. Parce qu'il est bien rouillé, puis il est tout croche. Là. Fait que pour te dire que c'est tout, y a rien de pas bon, là. Un meuble qui est tout cassé, qui manque une patte, pour le monde qui vient de se chercher un meuble, là, ça dérange rien. Puis un autre qui est tout rouillé, bien qu'il y a des trous dedans tellement rouillés, là, mais les autres vont se faire une table avec ça. Parce qu'il n'y en aura pas d'autres tables pareilles, tu sais, fait qu'il n'y a pas de... Les affaires pas bonnes, ça n'existe pas. Le bois, c'est pareil. J'ai fait des 26 magasins à un moment donné avec du vieux bois. Mon frère, il avait fait une grange à côté. Puis il me téléphone, puis il me dit, là, tu viens pas ramasser ça, mais je le fais dedans. J'allais faire un plan pour une maison privée à Boucherville pour poser un chauffage. Puis en sortant de là, peut-être 7-8 heures le soir, on a traversé la 30 qui était fermée à ce moment-là. Puis le monsieur, il essayait son auto. Puis il nous a rentré dans le sud dans notre quai. Fait que là, j'ai passé au travail de la vitrine du camion, j'ai passé au travail de la vitrine de l'auto. Là, l'auto, elle est à côté sur le ciment, ce qui est les lumières. J'ai sorti au travail de la vitre. Là, j'ai été projeté dans les roches, puis dans le champ. Puis là, ils ont toutes les misères du diable à me trouver parce qu'ils me cherchaient en avant du camion. Puis j'étais complètement au sens contraire. Puis ils n'ont jamais vu un blessé aller aussi loin d'un accident. Tellement que ça avait été, j'avais été garoché loin. Là, ils m'ont ramassé, j'étais tout débrisé. Ils m'ont roulé d'une toile pour m'embarquer dans l'avion. Et ils ont dit à ma femme, ben, de me tenir chez vous, il ne reviendra jamais. On peut le calculer qu'il est mort. Là, ils m'ont amené à l'hôpital, puis quatre jours plus tard, j'ai pris connaissance. Là, je me suis grillé les doigts, puis les orteils, puis j'ai dit, bon, ben, j'ai rien, j'étais à l'hôpital. Ce bras-là, il était restant de la peau, il s'est en dessous. Les roches qui ont 2 pouces de gros dans le corps, en dessous de la peau, là. C'est ça, non? Les côtes étaient effritées.
Puis là, ben, ils ont décidé de me réparer. Fait qu'ils m'ont fait des trous dans le crâne. Ils m'ont mis une fourchette chromée là, avec des plombs après les pattes pour me retirer la colonne qui était refoulée un pouce et demi. Puis là, elle a tout repris sa longueur, c'est la même grandeur que j'étais. Les cartilages entre les vertèbres, ils ont repoussé. Ça, ils n'ont jamais vu ça, là, mais c'était comme ça. Puis là, j'ai aucune blessure, nulle part, il n'y a rien. Tout ce qui a été déchiré a été collé. Puis j'ai aucune cicatrice, aucune trace de... J'avais les cheveux en arrière de la tête, tu vois, il n'y a pas rien. J'avais ce poignet-là coupé, j'avais la jambe là cassée, j'avais le carcan du cou arraché. J'avais la peau sortie de son trou. J'avais ce bras-là, il restait avec la peau en dessous. Puis ils m'ont tout réparé. 8 docteurs à l'entour d'une table, ils ont mis de la teinture dans les veines. Puis ils suivaient les veines, là il y a un morceau de vitre, ou là il y a un morceau de roche, ou bien il y a une poussée. Ils m'ont tout nettoyé ça bien net. Puis, aujourd'hui, tu me vois de même. Vous avez quel âge, là? Là, j'ai 80. Puis à 53 ans, j'étais champion international du patin roulette. J'étais 3 ans professeur de patin roulette à Longueuil. Puis les autres, ils avaient calculé que je partirais jamais, je pourrais me mettre debout, même pas marcher, mais même pas me tenir debout. Puis tu me vois aujourd'hui, là, je suis en forme, pas mal nulle part, pas moins de lunettes, tout est correct. Je me suis brûlé les yeux, je suis venu aveugle, à une batterie qui m'a sauté dans le visage. Puis il restait une toile pour pas que je vienne aveugle. Puis les toiles, ils ont tout repoussé. Avant d'avoir le jus de batterie, un ticket de tirage, j'avais de la misère où est les numéros. Puis là, je dis oui, je m'en loin n'importe où, je les vois très bien. Puis quand j'étais passé mon test, ils m'ont demandé si j'avais appris la pancarte par cœur. Parce qu'il n'y avait jamais eu un bonhomme assis là, à mon âge, qui a des bons yeux de main. Là, ils m'ont vérifié tout partout parce qu'à 80, tu passes des examens. Là. Mm-hmm. Puis c'était bien. Toujours une nouvelle qui est spéciale, j'ai eu à peu près n'importe quoi. J'ai eu des Jaguars, j'ai eu des Austin, j'ai eu des Austin Healey, j'ai eu des Mercedes que j'ai encore. J'ai eu à peu près n'importe quelle sorte, là. Puis j'en ai eu partie des chemins des carrés des années 20. Parce que quand ils ont nettoyé la ville de Montréal, ceux qui avaient des vieux chars des années 20 ou alentour, ils étaient dans des chèdes ou dans des hangars. Puis là, la police a nettoyé ça. Fait que j'ai tout eu ça ici. Ouais, aujourd'hui, ça vaut. S'il était ici aujourd'hui, là, ça vaudrait cher parce que ces vieux chars-là, aujourd'hui, là, ça vaudrait 50 000, 75 000, 100 000. Tu sais, une Jaguar, les longues, comme Moquetti, bien étirées, là. Aujourd'hui, c'est 150 000, 200 000. Moi, je l'avais vendu 300$, une en ordre, là, propre. Et là, je viens qu'à prendre le téléphone, puis ils me mettent 1 000 000 dans mon compte de banque, puis. Je m'en vais avec mon Beluchon. Vous allez où? Ben, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas intéressé, fait que ça règle le problème. Je pense que jamais que je vais aller quelque part. Je suis bien ici, puis j'ai pas besoin de ça. Vous ne voulez pas vendre? Non, je ne veux pas vendre. D'aucune façon. Sinon, je ne veux pas vendre.